Pour cette enquête, nous avons été contactés par un couple qui vit dans une maison construite en 1777 avec leurs deux enfants, une adolescente et un bébé de 2 ans. Nous les avons rencontrés pour savoir ce qu'il se passait chez eux. Ils nous décrivent des bruits, des coups, des craquements, des pas à l'étage alors que personne n'y est, des objets tels que des cadres et des bibelots qui tombent seuls, la lumière qui s'éteint et se rallume, tout en clignotant. Une sensation d'être regardé, épié, mais surtout une angoisse très fréquente vécue par la maman et sa fille adolescente. Après la visite sur les lieux, nous avons décidé de se poser avec notre matériel pour essayer de comprendre d'où venaient tous ces phénomènes. Je vous laisse découvrir notre enquête. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes venus ici pour entrer en communication avec la personne qui reste dans cette maison, là où les personnes. On est venu ici pour entrer en communication avec vous. Nous ne sommes pas là pour vous faire partie. Nous sommes là tout simplement parce que Ludovic et Cathy nous ont dit que quelquefois ils étaient gênés par des bruits. Alors à la limite, si c'est vous qui avez fait ces bruits, refaites-nous-les, qu'on voit que vous êtes bien là. Nous ne sommes pas venus ici pour vous faire partir d'ici. On veut juste des réponses. Donc pour cela, à l'état, je vous ai mis du matériel, je vous ai mis un boîtier noir avec une antenne. Ça s'appelle un pod. Donc si vous touchez l'antenne, il mettra des petites lumières et de la musique. Comme ça me permettra de savoir que vous êtes ici avec nous. Ou alors... Donc Cathy et Stéphanie et Ludovic tient un boîtier noir dans la main. Il faut juste s'en approcher pour le faire fonctionner. En aucun cas, ça vous fera du mal. Si vous avez peur du matériel, je peux comprendre. Vous pouvez parler dans le micro de la caméra ou faire du bruit. Pouvez-vous faire un bruit? Est-ce que vous pouvez faire un gros bruit dans cette pièce, s'il vous plaît? Un coup. Est-ce qu'il y a une entité qui aimerait communiquer avec nous? Est-ce que vous pouvez taper un coup pour oui, s'il vous plaît?
Donc un coup pour oui, vous ne faites rien pour non. Donc je vais reposer ma question. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous avez peur de nous? Est-ce qu'on vous dérange? J'ai entendu quelque chose, je sais pas si c'est pas les voisins. Non, c'est à ma gauche, à ma droite. On n'entend pas les voisins. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? Approchez de nous, n'ayez pas peur. J'ai entendu un frottement, est-ce que c'est vous? Ça fait deux fois que vous le faites, vous pouvez le refaire encore une fois s'il vous plaît? Recommencez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez activer le matériel, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez toucher le boîtier que Cathy tient dans la main, ou Ludovic? C'est moi, contre la porte. Nous ne sommes pas là pour vous faire partir ni vous faire de mal. On s'est présenté chez mes puits, non, je crois pas. Non. Hein? Non, parce que ça n'a pas répondu encore. Donc moi je vais me présenter, moi c'est Tayeb. Moi c'est Stéphanie.
Nous sommes venus ce soir pour entrer en communication avec vous. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs entités qui est dans cette maison et qui aimerait rentrer en communication avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Vous pouvez faire un bruit comme ça. Quel est votre prénom? Si vous avez un message à faire passer à Cathy et à Ludovic, profitez-en. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là uniquement ce soir. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Pour confirmer que c'est vous. Il y a un deuxième bruit, je crois. Non, c'est moi. D'accord. On est à la cuisine. Nous avons entendu un bruit tout à l'heure. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez recommencer?
Est-ce que vous pouvez taper dans une porte, comme ça? Et un coup. Allez-y, encore une fois. Un coup? Ouais. Donc si c'est vous qui avez fait ce bruit, c'est bien. C'est très bien même. Est-ce que vous pouvez activer les appareils qui sont en haut, à l'étage? Le pod. Ou le boîtier à côté, le UDI. Vous pouvez marcher à côté, ça fera des petites lumières. Ouais, j'ai entendu. C'est le frigo. Ouais. Alors, si vous n'arrivez pas à faire sonner les appareils, c'est pas grave. Par contre, on vous a laissé un ballon par terre. Alors, lui, il faut très peu de force pour le faire bouger un petit peu. Vous avez le droit de le toucher, de jouer avec, pas de souci. Êtes-vous à l'étage? J'entends marcher. Et d'ici, on n'entend pas les voisins? Non, plus marcher? Ouais. J'entends marcher, je sais pas si c'est pas au niveau. Bah là, le couloir. Ouais, bah là, moi, de toute façon, c'est bien drôle. Donc, si c'est vous, c'est bien, continuez. Est-ce que vous pouvez marcher à l'étage? Nous allons monter vous rejoindre. Alors restez où vous êtes. Ne vous sauvez pas. On vient juste pour discuter avec vous. On vient pas pour vous chasser ni vous faire de mal. Nous allons monter tous les quatre. Voilà, nous allons juste venir ici. Je crois bien un truc bleu là-bas, c'est mieux. Oui, ça s'allume bleu. Et bleu, c'est baisse de température, c'est pas normal. Parce qu'il y a plus la chair qui fait, c'est pour votre. Oui, tiens, regarde. Oui, c'est la température. Avec l'hydrométrie. Alors, nous sommes là tous les quatre. C'est pas logique. Non. Êtes-vous dans cette pièce? Dans cette toute petite pièce où il y a ce petit berceau de bébé à côté? Il y a quoi un coup? Alors, je viens de voir l'appareil clignoter.
Voilà, c'est bien, ça clignote encore, merci. Est-ce que c'est vous? Alors, si c'est bien vous, approchez-vous-en encore. S'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il est possible de toucher le boîtier à côté, le boîtier noir avec l'antenne? Alors, juste à côté, voilà, il y a l'antenne. En aucun cas, ça pourra vous faire de mal. Ça va juste sonner. Pouvez-vous aller toucher l'antenne, s'il vous plaît? Ou s'en approcher? Allez-y. C'est mon ventre. Une gardouille. T'as un bataillon dans le bidon. Donc si vous n'avez pas le toucher, c'est pas grave. Faites un coup dans les murs. C'est mon ventre. Ça peut être pire que le mien. Ouais. Vous voulez pas jouer au ballon? Il est tout léger, tout petit. Êtes-vous encore avec nous? Tapez un coup pour oui, s'il vous plaît. Si vous avez peur de le faire de cette pièce, faites-le dans la chambre derrière moi, où il y a l'autre caméra. Ça n'aime plus? Ah, bah ça c'est vibration, c'est pas normal. C'est la vibration, c'est pas normal. Non, c'est impossible ça. Là, c'est quelque chose qui l'a touché le boîtier. Ouais. Ça, il s'allume pas. Allez-y, vous pouvez recommencer. Hein. Vous êtes capable de le faire. Nous le savons, vous avez fait tomber un cadre. Donc forcément, quand on a la puissance de faire tomber un cadre, on a encore la puissance de faire allumer un boîtier. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Allez-y, nous attendons. Sinon, faites autre chose. Manifestez-vous. J'ai un appareil dans la main, venez. Venez jouer avec. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que Stéphanie tient à la main? J'ai plein d'énergie. N'hésitez pas, il y en a plein. Vous pouvez prendre plein d'énergie pour le faire.
assez mouvante. Alors, je vais vous montrer comment il fonctionne le pod. Vous verrez que vous risquez rien du tout. Il faut juste toucher l'antenne. Oui, on s'approche. Et voilà, c'est tout. Ça met un peu une petite lumière et de la musique. Est-ce que vous pouvez reproduire la même chose que moi? Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Tu remarqueras que quand tu t'es approché du pod, le DI n'a pas ressenti la vibration du parquet. Ah non? Ça, c'est pas possible, il faut vraiment le... Faut marcher vraiment fort à côté pour que ça s'éclenche. Non, mais je te l'apprécie, voilà. Juste. Allez-y. Est-ce que vous avez vécu ici, dans cette maison? Ça recommence. Êtes-vous un des propriétaires des lieux? Est-ce que vous avez fait du guéridon en bas? Est-ce que c'est vous qui avez fait du guéridon? Êtes-vous décédé dans cette maison? Êtes-vous ici parce qu'on vous a invité à rester ici? Regardez ça. Êtes-vous ici parce que vous ne voulez pas repartir? Est-ce que vous serez prêt à faire une séance de Ouija tout à l'heure avec nous? Est-ce que pour vous c'est plus facile à communiquer? Un coup. C'est trop bon ça. Donc je repose la question. Est-ce que vous préférez qu'on fasse une séance de Ouija pour communiquer? Est-ce que c'est plus facile pour vous?
ça a vibré. Ouais. Il a vibré. Ouais. Il a vibré, puis il y a un toc en même temps. Est-ce que vous pouvez faire un plus gros bruit, plus distinct, qu'on puisse savoir que c'est vous? Est-ce que vous pouvez faire un effort, s'il vous plaît? Et si on fait une séance de Ghost Box, c'est une radio qui balaye les fréquences. Et on va faire ça plutôt en bas. C'est tous les caméras qu'on a sur le côté, ça va être pénible. Ouais. Ouais, on va faire ça plutôt dans la cuisine. Au salon. Dans la cuisine. Non, au salon. Oui, en bas. En bas, quoi. Je me tue, moi, tiens. Nous allons redescendre. Je vais la mettre en fixe. Venez avec nous. Bonsoir. Donc je vous ai mis un appareil sur la top qui fait du bruit. Ça s'appelle une Ghost Box. Ça varie les fréquences radio. Et vous pouvez parler dedans. On peut vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici, dans cette maison? Est-ce que c'est vous qu'on a entendu marcher en haut? Est-ce que vous pouvez faire déclencher le matériel en haut? Le pod, le DI. Est-ce que c'est vous qui venez faire un bruit à côté de moi? C'est à ce moment que se termine notre investigation avec une séance de Ghost Box qui ne nous a donné aucun résultat. Comme vous avez pu le constater lors de notre enquête, le DI s'est déclenché. Nous avons entendu des bruits de pas, des frottements, que d'ailleurs nous ne saurons pas expliquer, ainsi que des coups. Nous avons fait une séance Ouija qui a été beaucoup trop confuse pour la diffuser. Avec l'accord des propriétaires, nous y sommes retournés une deuxième fois uniquement avec notre planche de communication et nous sommes entrés en contact avec trois entités qui seraient apparemment dans la maison et qui nous ont fait savoir qu'elles ne désiraient pas en partir. Pour elles, elles sont chez elles. Nous leur avons expliqué que maintenant la maison était à ce couple et à leurs enfants et qu'il fallait surtout cesser d'agir ainsi et de les laisser tranquilles. Depuis notre intervention, l'ambiance est beaucoup plus sereine. Pourquoi? Nous ne le saurons pas. Peut-être avons-nous réussi à calmer les esprits ou alors tout simplement à rassurer les propriétaires.